Vous vous qualifiez comme chansonnier, comme humoriste, comme chanteur? Moi, je chante en français. Oui. Et surtout ce qui vous chante, hein? Un jeu de mots. Oui, Ouais, cherchez. j'ai compris. Et de vous trouver ici avec d'autres qui chantent, d'autres qui ont une autre approche de la chanson, ça vous fait quoi? Bah, c'est pas grave. Ça vous laisse indifférent. Hein? Ça vous laisse complètement indifférent. Bon, il y en a plein d'autres. Hein. Oui. Voilà. Quand C'est qui chante d'ailleurs, je sais pas. vous voulez découvrir tout de suite qui chante? Maintenant, je crois que pour pouvoir poser la question à Didier Super, vous avez écouté une chanteuse, une vraie, quelqu'un qui a du coffre. J'ai pas compris la question. Oui, vous avez écouté tout à l'heure, vous n'avez pas dormi pendant qu'elle a chanté. Ben si, j'en avais rien à foutre. Comment tout a commencé, ce rendez-vous avec le public sur scène? Parce que finalement, vous aurez pu continuer à faire ça gratuitement, dans la rue. Comment ça a commencé? Oui. Ça, je crois que au mois de mai, en fait, j'ai fait des chansons qui sont très bonnes. Et puis le meilleur concert que j'ai fait, c'était au début, c'était à Valenciennes pour les connards d'étudiants en technique de commercial. Non, mais qui m'ont demandé si. Parce qu'en fait, normalement, j'ai un autre groupe, mais le batteur, il pouvait pas parce qu'il est prof d'aviron. Alors moi, j'ai dit, si tu veux, j'ai des chansons rigolotes. Ils m'ont dit, si tu veux, tu viens. J'ai demandé, c'est payé. Ils m'ont dit, bah non. Puis après, j'ai réfléchi, étudiant en commerce, étudiant de droite. Donc pour eux, artiste, c'est pas un métier. Donc évidemment, c'était pas payé. Et puis alors j'ai chanté mes chansons sur la scène. C'était donc Valenciennes, il y avait la poste, puis là, il y avait des magasins. Puis ils m'ont viré. Non mais c'est pas des. Au bout de 20 minutes, il y a les commerçants, ils sont sortis, puis ils ont pas trouvé que mes chansons elles étaient belles. Didier, Et j'ai Didier pas fini. Super. Et alors j'ai pas fini. Alors bon, puis je m'en fous en fait. Alors, vous voyez donc actuellement Patricia qui présente une robe d'une créatrice qui s'appelle Anne Troude. Et son univers, c'est le glamour. C'est la femme féminine et le glamour. Donc, c'est une robe de soirée qui est faite en dentelle, ciselée main. Notre ami Didier Super, ça va? Ça dure combien de temps encore? L'émission? Le temps d'écouter une chanson? Vous voulez nous en faire une autre pour vous réveiller peut-être? Bon, si ça peut dépanner. Moi, je suis pas un fonctionnaire. Moi, je suis pas un étudiant à la con. J'aurais préféré que ce soit la conne à la place du nazi. Ouais, bon, peut-être on peut refaire à la fin, vu que c'est la télé, non? Parce que j'ai l'habitude, les télés, ils ont pas de couilles. Attends, je vais te refaire une fin. J'aurais préféré que ce soit la conne à la place du fan de Johnny. Et toutes ces chansons, vous les interprétez dans un spectacle sur scène? Ah non, non, non. Ça, c'est que les chansons que j'ai plus envie de jouer sur scène parce qu'elles sont moins bonnes. Du coup, je les mets sur 10 parce que j'en ai rien à foutre. Oui.